Salut tout le monde, c'est Preda. J'espère que vous allez bien les amis parce qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Evolve. Et pour cette nouvelle vidéo, on va découvrir un peu le côté des chasseurs. Vous allez voir, c'est pas du tout la même ambiance. Donc on va commencer avec l'assaut, donc qui est la classe de base du jeu. C'est le DPS, voilà, c'est le bourrin, c'est celui qui fait les dommages. Il a accessoirement un bouclier pour se protéger, des mines Hey et Maggie, deux when you sortes bought différentes Daisy, what did you think you'd de be using flingues. her for? Donc il a un gros Not canon this. à That's what électricité, I je sais pas figured. exactement ce In qu'il fait fact, comme it was a dommage. rough colony. Et il a une But mitraillette de base. once I had Ruva Donc c'est here, vraiment la no classe one wanted to basique du mess with jeu. me. It's Voilà, sort of c'est le gros nice. bourrin quoi. She probably would have spent her Si life vous ne savez barking pas at trop people. jouer Now she gets to healer hunt, ou really trapper et be tout part ça, of a c'est vraiment pack. voilà, c'est la And classe she facile knows à she prendre en likes main. it. Yeah, I never Donc on va thought of commencer par ça. it. Whatever else, this isn't war. On va se battre No, contre le it is Kraken, not. donc ça va pas être une mince affaire. Allez, Geronimo! Lui, ça va être compliqué de le retrouver. Ok, il est parti par là. Le Kraken, il est vraiment compliqué à tuer. Il est très rapide. Il bouge vite. Il faut vraiment le suivre à la trace, faut pas le perdre parce que sinon. On est foutu. Donc on suit le trappeur. Il va nous indiquer un peu où est le monstre. Et voilà, nous on doit faire attention aussi aux autres monstres. Donc ça c'est un peu un monstre élite. Il n'y a pas de bonus sur lui, donc des fois sur certains monstres vous avez des petits bonus de dommages, de trucs comme ça à récupérer. Mais c'est surtout sur les monstres élites, donc les gros monstres un peu. Donc on doit vraiment faire gaffe à la faune sauvage, parce qu'il y a des plantes carnivores, il y a des monstres de toutes sortes. Donc faut vraiment faire attention, il y a des pièges. C'est pas du tout le même univers. Ah ça y est, ils ont réussi à le piéger. Donc on va y aller. Il est où? Mine's ready. Et par là. Passer de l'autre côté. On va poser une petite mine ici. Ok, je vais prendre mon bouclier. Faut pas le perdre de vue. Et lui, il a pas l'air de vouloir fuir. Ah, on l'a piégé. Allez, le sniper le bloque avec les. Avec les. Comment ça s'appelle? Les flèches tranquillisantes, ce qui permet de le ralentir. Il est passé où? Il est parti là-bas. Ok. Faut pas le perdre de vue, on lui a pas mal baissé sa vie. Il est là-bas. Hop. Il faut toujours le. Savoir où il est parce que. Si on le perd, lui, on est dans la merde. Hein. Je vous le dis direct. On évite de se faire coincer par les autres monstres aussi. Ça peut être dangereux. Ah, ça va, je l'ai bien abonné. Ça a dû le calmer un petit peu. Oh, no.
putain de stuff 2. Oh, monstre élite. Je sais pas si lui il a des bonus. Non, il a pas de bonus lui. Allez, on va rejoindre les collègues. Ah, quoi ça? Voilà, là on a eu un bonus. Donc là, ils l'ont repéré par là-bas. Pas sûr qu'ils aient réussi à le bloquer. Donc faire très attention aussi au cours d'eau comme ça. Des fois il y a des marécages où il y a des... voilà, y a, là par exemple il y a une plante carnivore. Voilà. Faites gaffe de ne pas marcher dessus. Après il y a... Il y a les genres de crocodiles dans les marécages là. Il faut faire très attention parce que si vous chopez c'est mort quoi. Il y en a certains, on dirait des cailloux aussi. Et ils attendent que vous soyez à côté et ils vous défoncent. Il m'a repéré par là-bas. Moi je sais, ça fait très Avatar. On se croirait sur Pandora là où on tue toutes les bestioles et tout ça quoi. Allez les gars. Oh putain, je me suis fait coincer, voilà. Exactement. Allez, aidez-moi là. Aidez-moi vite, 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 vite. Voilà. Ah, c'est exactement le genre de piège sur lequel il faut pas tomber quand vous êtes seul. Sinon vous êtes mort. Allez, où tu te caches? Donc là, on est en support. Trap on the ground. Attends, fuera, hein? Que lo quite. Sí. Lo ha puesto tal. Si deja el 4 pulsado, lo quita. ¿Qué va si se ha pirado antes? Allez, venez m'aider là. Bon, je suis en support, donc j'ai le gros canon, comme vous voyez, j'ai le camouflage, j'ai une frappe aérienne, et j'ai le bouclier pour protéger mes alliés. C'est vraiment ma classe préférée d'entre toutes. Elle est très polyvalente, à la fois elle fait des dommages, et à la fois... comment dire... Elle protège les alliés, donc c'est vraiment une classe très polyvalente que j'aime beaucoup, parce que moi... Ferme-la... On a compris la muy bonita señorita, hey, oh! Depuis tout à l'heure je le suis là, les Espagnols ils sont mauvais alors. Il est où? Il est où mon salopio?
poursuivre. On va le suivre, faut pas le perdre. Ouais, bah avance, bah avance. Don't spook the steam cow. Sloth, give her a wide berth. Saloperie de monstre. On n'a pas de bonus sur cela. Donc sur certains monstres, vous pouvez avoir des bonus aussi. Des bonus qui durent un temps. Que ce soit pour les dommages, que ce soit pour la vitesse. Voilà. Des petites améliorations. Je pense qu'il est là. Faire gaffe à ces plantes aussi. Si vous marchez dessus, elles se retournent sur vous et c'est fini quoi. Il est par là. Il est là-bas. Et non, tu ne pars pas. Allez, on va protéger nos alliés un peu. Enfin, si c'est moi qui l'attaque, par contre, on va pas le faire. Je suis un peu raté. Trêve, saloperie, voilà. Ok, il est par là. Il est dans la caverne. Ok, donc on a le trappeur, donc on a la petite grenade pour déployer un bouclier pour bloquer le monstre. Ok, je le vois. On a ce canon pour poser des pièges au sol afin de déclencher des grappins pour bloquer le monstre aussi. Et on a donc on a Daisy et on a cette petite mitraillette. Donc Daisy c'est la petite créature qui va nous indiquer où est le monstre. Elle va renifler les traces et tout ça. Et elle va nous amener jusqu'à la bête. Putain, j'ai plus de jetpack. Allez, il est pas loin. Si t'arrives à le ralentir, n'hésite pas. Ok, il est slow. Allez, fouille-le encore. Je l'ai eu ou pas? Il a loupé la carte. Non, tu l'as loupé. Une centaine de mètres devant moi, 150 mètres max. Ok, je passe sur la gauche. Je le vois, je... Marqué. Traps ready. Let's find a good place to fight.
Okay. Je finis les premiers. 10 de soin. Au sol, il me focus, ce gros connard. Il m'a terminé. Finissez-le, hein, il est mauvais. Hein. Là, vous pouvez carrément le cartonner. Hein. Piégez-le, niquez-le. Hein. Hop, faire le tour. Ok, go finish him, go finish him. He's crap, he's crap. Good job. Si tu places ta frappe orbitale, c'est énorme. Et il pleut cool. Ah mais faut réussir à la placer aussi. Ouais, faut la placer avec les justement avec les grappins du trappeur, c'est pas mal, ça marche bien. Faut être bien coordonné mais ça marche très très bien. Il est pas loin, il est pas loin. Il est au-dessus, il est au-dessus, il est au-dessus. Ok, ok. Je vais l'immobiliser avec les flèches là. Des cages, hein. Va se terminer. Allez, il fuit. Ok, je l'ai immobilisé. Ouais, GG le slow, bien joué. C'est bien ça, c'est très bien. Allez, on continue à le poursuivre. Il est mal là, il est mal. Très très mal, il est. Oh, il est devant moi. T'arrives à le slow, je vais essayer de lui mettre les grappins. Putain, il est juste devant cet enfoiré. Je le talonne. Je vais bientôt pouvoir le cage, hein. Vous êtes prêts? Allez, je le cage. C'est parti, les cages. Ok, ok, c'est parti. Allez, on le finit. Il a plus d'armure, il est foutu. Ah, il me focus. Ouais, je vois ça, il faut qu'on le termine là.
focus. Ah. Oh oui, il est foutu, on a gagné. GG. La vidéo t'a plu ? Alors n'hésite pas à mettre un j'aime et à t'abonner à la chaîne. Tu peux également retrouver les autres vidéos sur la page principale de la chaîne ou en suivant ces liens.